Bande de connards incompétents! Transopane, mille tartines à la merde! Boulette de viande! Rasier de fond qu'à pas trop et champignons d'un état! Mais si bien gentil de rager comme ça derrière votre écran, mais en attendant, nous, on s'en est pris plein la gueule. Je m'en secoue ma bite pleine de marraine! Et t'as intérêt à t'en donner temps! Ou sinon quoi? Je vais te choper par la peau du cul et te balancer dans ma cave! Allez, c'est bon. J'en ai ma claque, Ryuji. J'arrête tout. De toute façon, j'ai pas besoin d'un capa comme toi! Il m'a promis Théus, Kevin Lorestor, Emilio 69, Camille et Cortobel. Putain! Ils sont où encore ces deux-là? Thémis vient de me prévenir qu'elle quitte la guilde et qu'elle veut plus jamais entendre parler de nous. T'as saigné ma pour une petite biche de rien de tout! Elle a quand même la pommette fracturée et trois dents cassées, hein. Ah, ça doit être Kurt Cobalt. 45 minutes de retard! Ça précède, t'enculé! Bon. Désolé, je suis un poil à la bourre. Qu'est-ce que tu fous là? Bah, j'ai une autre petite réunion secrète. T'as rien à prendre ici, bordel de plage de mes couilles! T'as pas encore compris, c'est moi, Kurt Cobalt. Bonne de merde! Aucun de vous ne s'en est rendu compte? Bonne de Kevin en rouge! Hé, hey, mais on avait dit pas les prénoms! Ta gueule! Hé, hey, merveilleuse, Rey Mysterio. C'est plutôt qui commande maintenant. Ah, vous aussi! T'as gapé deux détails, je crois bien. De un, regarde ce que j'ai dans les mains. Le dossier sur toi et ton pote. Et de deux, tu me retrouveras jamais. Alors là, tu vois, j'en suis pas si sûr. Connerie! Je suis intouchable! Ah ouais? Et Little Succube, ça dit quelque chose? Comment tu es au courant? Attendez, une seconde. C'est quoi cette histoire de Little Succube? J'avoue être moi aussi pris de curiosité. Bah, on n'est pas pressé, puis mon plan est tellement génial qu'il mérite bien d'être dévoilé. Il n'y a pas longtemps, j'ai persuadé gentiment Kevin d'être mon espion. Gentiment? C'est pas le souvenir que j'en garde. Salut, mec. Oh non. Ouais, bref. Kevin m'a tenu au courant de tous vos faits et gestes, mais il fallait encore que je me rapproche de votre connard masqué. Donc j'ai créé un personnage sur votre foutu jeu sur Den Goblin. Monter de niveau m'a bien cassé les couilles d'ailleurs, soit dit en passant. Mais je t'avais dit, il fallait faire un psycho-sorcier. Ça pexe vite, essaie de cheater. Ouais, j'aurais dû, car Pyro Barbare, ça a chier. Bref, une fois niveau max, Kevin m'a pistonné pour rejoindre votre guild. Et j'ai pu cerner ce demeuré en chattant avec lui. Après, j'ai recréé un perso, Little Succube. Un psycho-sorcier cette fois. Et je suis allé le chauffer en me faisant passer pour la gonzesse de ses rêves. Ce qui a plutôt bien marché, car ce demeuré m'a invité chez lui pour me sauter. Ah, j'aurais dû me faire la photo. Des filles comme ça, ça n'existe pas. Ah, si, ça existe. Mais pas dans ton plumard. N'empêche, t'es pas si malin que ça. T'aurais dû venir me choper au lieu de te pointer ici pour te la racler. On peut faire les deux. Et mes couilles sur ton nez. Le temps que tu te pointes, j'aurais appelé les flics. On parie. Toc toc. Vous avez piqué ma part, bande d'enculé! Parez-vous d'ici avant que je me lève et que je me déboîte! Waouh! J'ai trop peur! Allez, vas-y, chope le vilain, pas vous! Il est fait, il est fait! Lâche-moi, l'herbelle de sale bête d'enculé de merde! Alors, ça va les blaireaux? On aime bien le cucu? T'aimes bien le cucu, je te dis? Tiens, regarde le cucu! T'aimes bien le cucu? Voilà ce qui arrive! Quand on emmerde les mauvaises personnes. De mon avis, nous avons tous compris le message. Nos chemins ne se croiseront plus. C'est ce que je voulais entendre. Mais je suis du genre à toujours prendre les garanties. Toi, tu viens avec moi. Je crois pas, non. Tu prends pour qui, le geek? Je suis pas un geek au sens où tout le monde l'entend. Je suis un autre geek. Tu vas payer pour tous les demeurés dans ton genre qui m'ont insulté, Marty. Ah! Je suis énervé! Je porte un masque! Maintenant, je suis dans le coma! Pas terrible ton imitation, hein? N'importe quoi! Dis-lui, toi, que c'est excellent! Trop de la balle ton imitation, tu vois? On y croit. Répète? Détachez-moi, bande de tarés! Je sais même pas ce qu'il avait dit. C'est bon, j'ai compris la leçon. La leçon? On n'a même pas encore commencé. À l'aide, au secours! À l'aide, au secours! Inutile, mon petit gars. Vous pouvez pas me garder ici, les autres doivent me chercher. Alors, je crois que tes potes, ils s'en branlent un petit peu de ta gueule. Bon, les gars, jamais, en fait. Ciao. Étant donné que je suis le dernier officier actif au sein de la guilde... Je m'auto-proclame
chef suprême de celle-ci. Ouais, vive le nouveau chef. Merci à vous. En récompense pour votre loyauté, je vous nomme tous les deux officiers. Trop cool! Félicitations. Par contre, chef, qu'est-ce qu'on fait à propos d'Arès? Rien. Ok. Et on fait quoi maintenant? On va commencer par éteindre ça. Tu caches une arme? Quel pute, ce Prometheus! J'y crois pas. Relâchez-moi, je dirai à personne que vous êtes des éco-terroristes. Je vous connais pas, j'ai rien vu, rien entendu. Alors je dirais pas éco-terroriste, mais plutôt super-héros protégeant la nature. Ah, un peu comme Captain Planet. Ouais, la coupe mulet verte en moins. Vous êtes des malades. Je commence sérieusement à tortiller du bide. Je vais me faire un casse-dalle, t'en veux un? Ouais, fais-moi un pain, ananas, à tomate, oignon, fruit, potato, soja. Ça roule. Et oublie pas la sauce samouraï. Bah, tu veux pas que je le bouffe à ta place non plus. Bon. Relâche-moi, bud, ça devient lourd. Et alors? Genre, vous allez me garder ici pendant des années? Puis après quoi? Je vais devenir votre princesse Sarah? Je vais éplucher les pommes de terre et aller vendre des allumettes dans la rue? Bonne idée, ça. S'il ira t'acheter une robe. À la première occasion, je me tire d'ici, même si je dois vous buter tous les deux. Laisse-moi t'expliquer une chose. J'ai coulé des flottes entières, baleiniers. J'ai fait exploser des laboratoires qui torturaient des animaux. J'ai braconné des braconniers. J'ai fait exploser des plateformes pétrolières. J'ai torturé des bûcherons en Amazonie. J'ai rendu fou 4 directeurs de cirque. Alors tu penses vraiment que je vais flipper d'un geek avec une grande gueule? Bla, bla, bla. T'oublies les dossiers que j'ai sur le bon lieu sûr? T'es pas le plus malin, finalement. Tu t'imagines bien que si on a retrouvé Ryuji, on a aussi retrouvé les dossiers au milieu de tes livres de cul. Eh ouais, pas de super pouvoir, pas d'univers à sauver, plus de pièces pour continuer la partie. Dans ce monde, c'est moi ton boss de fin. Et j'ai gagné. J'ai compris le message. Pardon? Parle plus fort! Oui, j'ai compris. Bien. Te tire pas, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Tu as dit toi-même, tu vas devenir notre princesse Sarah. En plus, j'en suis sûr que tu nettoies les chiottes comme personne. Oh, t'es pas sérieux? Je suis un menteur qui dit toujours la vérité. Eh mais... Eh hey, tu vas pas me laisser tout seul? Qui a dit que t'étais tout seul? T'as oublié la sauce samouraï! Putain, mec, buzz de fou! J'ai pas de Gangnam Style! Comme ça! Dans ta gueule! Oh, toi et Baggy! C'est malin, ça! C'est pas comme si on était recherché par Interpol! Ouais, ok, ça m'aide, c'est bon. Je l'enlève. Dans le genre rabat-joie. Au top. Ah, peut-être! Mais au moins, moi, j'aurais pas oublié la sauce samouraï!